Bonjour à toutes et tous. Nous sommes réunis ce soir là pour un nouveau format du 48 Echo. Alors, c'est quelque chose qui aujourd'hui, quoi dire, s'inscrit dans la durée puisque vous en avez pu suivre plusieurs sur des thématiques complètement différentes, mais qui intéressent toujours, quoi dire, notre économie lozérienne. Et aujourd'hui, j'ai souhaité réunir des professionnels du e-commerce. Et le e-commerce, c'est quelque chose qui va probablement vous intéresser si vous souhaitez créer une entreprise. On va vous montrer que c'est pas si compliqué que ça, qu'il y a des règles à respecter, que c'est pas du commerce normal, que ça a beaucoup, beaucoup d'exigences et il y a des facteurs de succès que trois personnes ici autour de moi vont pouvoir vous décrire, vous donner quelques recettes, vous donner un petit peu des exemples de leur propre parcours, de ce qu'ils ont comme produits et services dans leur valise, la manière dont ils commercialisent, la manière dont ils voient l'avenir également. On dit que le e-commerce n'est pas à son aboutissement, qu'on a encore du retard sur les pays anglo-saxons notamment. Et nous-mêmes, à la Chambre de commerce, on regarde ça très très attentivement. Sur le territoire, on souhaite vous surprendre un petit peu en vous disant qu'il y a déjà ce qu'on appelle des pure players du e-commerce. Alors le mot pure player, ce sont ceux qui ne font que du e-commerce. Certains sont nés en étant quoi dire, dans le commerce traditionnel, sont devenus multicanal. D'autres sont nés directement dans le e-commerce. Il y en a une trentaine en Lozère qui aujourd'hui évoluent sur de la vente en ligne, tout simplement, pour parler en français. Et nous en avons, sur la trentaine, on en a recensé un petit tiers qui aujourd'hui ne font que du e-commerce. Ce sont des entreprises qui, pour certaines, on va le voir, sont très connues, d'autres sont extrêmement discrètes. On va voir aussi comment le Covid a pu, quoi dire, faire bouger les choses, comment également les nouveaux moyens offerts par la fibre également permettent, quoi dire, de nous rapprocher de territoires qui sont plus adaptés peut-être à la nouvelle économie que des territoires ruraux, mais on va voir qu'on est aujourd'hui dans le tout est possible. Donc voilà, je ne vais pas être plus long en intro et je vais vous présenter un petit peu, enfin ils vont se présenter, quoi dire, les invités. Nous avons donc trois entreprises qui, pour certaines, sont très connues, d'autres un petit peu moins. Et je commence par Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour Thierry, Tu vas bien? bienvenue. Ça va? Très bien, Merci oui. de nous accueillir chez toi, ici à bienmanger.com. Et tu vas nous présenter un petit peu ton entreprise. Je passe peut-être la parole à Nicolas. Nicolas Moreau. Bonjour. Salut. Peut-être un petit peu moins connu que Laurent, forcément. Certainement moins. Voilà. Toi, tu évolues dans, quoi dire, une autre, quoi dire, dans la coutellerie. une autre production. Ton entreprise s'appelle Le Couteau Le Lozère. Tout à fait. Donc, tu vas nous parler comment t'es né, comment tu vois l'avenir, etc. Et puis, que je connais très bien pour être, quoi dire, membre de la Chambre de commerce, c'est Samuel. Bonjour, Samuel. Bonjour Thierry, bonjour à tous, Ouais. merci pour l'invitation, merci à Laurent pour l'accueil. Et Samuel Chaudançon, qui lui aussi est dans un autre type de produit. Laurent, on peut partir de ton parcours qui est déterminant pour rentrer dans du e-commerce ou pas du tout. C'est le hasard qui. Ça se fait comment l'histoire d'une success story comme Bien Manger? Alors d'abord, Bien Manger, c'est une entreprise qui a 20 ans, 23 ans aujourd'hui. Et au début, c'est un peu un pari puisque j'ai découvert Internet à la fin de mes études d'ingénieur. À l'époque, c'était un peu balbutiant. Certains disaient que ça serait une mode. Et en m'intéressant, j'ai cru à un certain nombre d'études qui disaient que cette technologie était appelée à devenir un média de masse et à proposer de nouveaux moyens de commercer. Et notamment de mettre en relation des offres un peu partout sur le territoire avec des clients un peu partout sur le territoire. Et assez tôt, en fait, le déclic, ça a été en discutant à la Canourgue, en Lozère, avec des petits producteurs qui, en Lozère, ont un problème, c'est qu'en Lozère, on est peu peuplé. Et donc, et contrairement à des départements voisins où il y a des grosses structures agroalimentaires, nous, on en a peu. Et donc, leur problématique, c'est de dire comment je fais pour vendre des produits toute l'année à des clients qui sont là que 2 mois par an. Et assez tôt, j'ai dit ben, peut-être qu'Internet peut être un canal qui permettrait demain de faire des ventes entre des offres locales et des clients qui sont répartis sur tout le territoire. Et si c'est valable pour un producteur lozérien, c'est sans doute valable pour un producteur aveyronnais, pour un producteur breton, alsacien ou aquitain.
Et donc, c'est comme ça qu'est né bienmanger.com il y a 23 ans aujourd'hui. J'imagine qu'il y a eu des doutes. Au début, ça ne doit pas être simple, non? Oui, il y a eu des doutes, surtout au début, parce que au début, en fait, quand on a démarré, le e-commerce des produits alimentaires n'existait pas. En fait, c'était balbutiant, c'était une hérésie pour la plupart des personnes d'acheter en ligne des produits alimentaires, ça ne se faisait pas. Même d'ailleurs, le premier rendez-vous avec mon banquier, c'était pour avoir un prêt pour développer mon entreprise. Et il me dit, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Vendre des produits du terroir, des produits d'épicerie fine en ligne. Est-ce que les gens en achètent? Non. Pourquoi vous voulez un prêt? Si les gens n'achètent pas, on va arrêter là tout de suite. Je dis non, mais parce que dans 3, 5, 6 ans, le marché est appelé à grandir. Enfin, tout le monde dit que ça va grandir. Ça a déjà grandi dans d'autres parties du monde. Et donc, ben voilà, pour se préparer aujourd'hui en vue de dans 3 ans, 5 ans, 6 ans, il faut démarrer maintenant et je veux un prêt maintenant. Mais ce n'était pas facile. Et même dans ma famille ou à la Cano, il y a des gens qui m'ont vu revenir quand j'ai quitté mon boulot à Paris pour créer cette entreprise, pour vendre des produits sur Internet. Des gens qui se sont dit, bon, qu'est-ce qui lui arrive? Est-ce qu'il n'a pas perdu un peu la tête? En plus, au début, on a démarré à Auxiac. Auxiac, pour ceux qui connaissent, c'est un tout petit village. Et je crois qu'il n'y a même pas de commerçant à Auxiac. Il y avait une auberge. Donc, on était le commerçant d'Auxiac. Bon. Et avec, en se disant, bon, après ce qu'on a dit aussi, j'étais 20 ans plus jeune et j'ai dit, au pire, on se trompera. Au pire, c'est ça aussi l'entrepreneuriat, c'est de faire un pari, c'est d'accepter de se tromper. J'ai dit, ben, si dans 2-3 ans, on s'est trompé, ça fera un peu mal. On aura une petite ardoise, il faudra payer pour la rembourser, mais on a essayé d'être raisonnable. On a été une start-up qui n'a pas dépensé beaucoup plus que ce qu'elle avait sur son compte en banque. Et en disant, bon, ben, au pire, si vraiment ça ne décolle pas, ben, on retournera faire autre chose. Aujourd'hui, bien manger, c'est quoi son... Tu as l'habitude de présenter bien manger aujourd'hui en termes de taille, d'importance, comment? Alors aujourd'hui, bienmanger.com, ben, déjà la nouveauté de la semaine ou du mois d'avril 2023, c'est que Capital vient de sortir son palmarès des sites e-commerce et dans la catégorie épicerie fine, on est numéro 1. Donc c'est quand même une grosse fierté de se dire qu'en Lozère, sur notre segment, alors c'est un petit segment, l'épicerie fine sur Internet, mais on est considéré par ce classement Capital, avec sans doute des biais liés à leur méthodologie. Je dis, il y a peut-être des sites qui sont plus forts que nous, mais disons que dans ce classement, on est numéro 1, donc c'est une belle récompense. En quelques chiffres, aujourd'hui sur bienmanger.com, on trouve 12 000 références. Pas mal de produits lozériens, mais des produits de partout en France, partout dans le monde. Et localement, c'est une cinquantaine de salariés pour bienmanger.com, avec pas loin de 200 000 colis qui partent chaque année aux quatre coins de France et du monde. Voilà, c'est en chiffre d'affaires, si on parle, puisqu'on est dans un rendez-vous éco, c'est aux alentours de 10-12 millions d'euros. Donc, c'est plutôt une taille PME, mais bon, moi, je suis très content, très fier du résultat atteint jusque-là. Puis, bon, on espère continuer à grandir encore sur les prochaines années aussi. Et moi, j'aimerais te dire, c'est la Lozère qui doit te dire merci parce que tu permets de véhiculer aussi, notre image très très loin. Et donc, c'est là où le monde économique, puis le monde de l'attractivité, ils sont ensemble. Donc, on va de pair et c'est un merci qu'on peut te donner aussi. Mais bravo aussi pour le parcours. Et c'était courageux, c'était osé, tu l'as dit, il y a 23 ans. Et bon, mais voilà, c'est super de voir ça. Et puis, en fait, tu nous donnes une petite nouvelle. Là, voilà, un classement chez Capital, on est fiers. On est fiers pour toi et pour la Lozère aussi. Oui, puis dès le début, on a eu à cœur de montrer que ces métiers, que ces nouvelles technologies, en fait, étaient une chance pour les départements ruraux. Moi, je vis d'une famille où la génération de mes parents, tout le monde est parti après les études bosser à Paris parce que un chez EDF, un autre dans l'éducation nationale, un troisième dans la banque, le BTP, tout le monde partait. Ouais. Alors, à vous qui nous regardez, qui nous écoutez, ça, vous pourrez le partager. Vous voyez ce petit moment-là. Voilà, Capital, number one, bienmanger.com. Merci. Nicolas. Alors, Nicolas Mourgue. Tu vas nous présenter ta boîte. Toi aussi, tu es un pur player et tu as un parcours avant. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie? Qu'est-ce qui t'a foutu la trouille? Qu'est-ce qui te mobilise sur un mode de vente un petit peu nouveau? L'envie, pour commencer par ça, je pense que c'est... Ben, moi, je suis originaire de Lozère. J'ai la Lozère dans le cœur aussi. Et comme tu l'as dit... non pas par rapport au e-commerce, mais j'avais aussi à cœur de pouvoir démontrer qu'en Lozère, on pouvait entreprendre, on pouvait faire des choses un peu à part aussi. Et c'est ce qui m'a vraiment motivé pour partir dans ce projet-là.
Je fais la petite parenthèse, mais je le souligne aussi pour bien remercier la CCI de votre invitation et pour souligner que dans mon aventure entrepreneuriale dont je vais parler, je suis rentré dans aucune case en fait, que ce soit au niveau de la CCI ou d'autres organismes au moment de mon lancement. Mais ce que je veux souligner, c'est que j'ai eu malgré tout beaucoup d'aide de vous tous et c'est ça qui, je pense, transpire aussi beaucoup en Lozère. C'est qu'aujourd'hui, en fait, les initiatives sont identifié et soutenu, même si on n'arrive pas à faire rentrer pour obtenir à un moment donné une enveloppe budgétaire ou pas. Mais en tout cas, il y a une aide autrement. Et en tout cas, cette aide, elle m'a beaucoup aidé. Merci. Pour parler de mon projet, le couteau. Du coup, moi, j'ai l'aventure, elle a commencé il y a 2 ans. Donc, le 15 avril, j'ai déposé les statuts de ma société. Avant, j'avais une vie, j'ai fait 20 ans dans les ressources humaines, dans la formation. J'ai arrêté suite au Covid en novembre 2020, très exactement, avec l'idée de recréer une entreprise, mais je ne savais pas. Donc, j'étais déjà dans une aventure entrepreneuriale avant, mais je ne savais pas ce que j'allais exactement faire. Et puis, le hasard a fait qu'en janvier 2021, j'ai voulu acheter un couteau Le Lozère pour offrir. Et quand je suis allé dans le magasin qui le distribuait à l'époque à Mende, je ne l'ai pas trouvé. On m'a dit que le couteau, la production était arrêtée. Et du coup, j'ai contacté les fabricants de ce couteau, qui était localisé à Saint-Romain-de-Touzque, au fin fond des Cévennes, entreprise Bastide. Et du coup, 2 semaines après, j'étais chez eux. Et le 15 avril 2021, j'ai créé ma société. Monsieur Neveu m'a formé. Et je suis devenu progressivement, du coup, artisan coutelier. Voilà. C'était à Saint-Romain-de-Touzque. Et c'était à Saint-Romain-de-Touzque. Saint-Romain-de-Touzque. Vallée française. Et aujourd'hui, c'est Vallée du Chapeau. Voilà. Et aujourd'hui, c'est relocalisé Vallée du Chapeau Roux. Ouais. Du coup, Nord-Lozère, à côté de Châteauneuf-de-Randon. On peut s'installer dans des endroits les plus improbables, quoi dire, au monde économique. Exactement. Hein. Exactement. Ouais. Et je pense qu'on le développera après. Mais oui. Effectivement, l'outil Internet est un formidable levier pour développer ce type d'activité aussi. Alors, qu'est-ce qui fait les clés d'un succès quand on démarre du e-commerce, pour tous ceux qui nous regardent là, en ce moment, il faut leur parler. Alors pour moi, c'est assez non, neuf. Mais pour eux. Pour moi, c'est assez nouveau, hein, donc j'apprends beaucoup. Pour ma part, je me suis entouré aussi de professionnels. Hein. On a des sociétés comme BM Service. Hein, et puis, pour le coup, moi, je travaille avec la société AFA Multimédia, qui m'a bien accompagné. Je pense qu'aujourd'hui, on a des outils aussi, selon les dimensions. Dans mon cas, comme je débute, effectivement, on a des outils un peu plus grand public, hein, j'allais dire accessibles en termes de budget et de méthodes hein, de manipulation, qui permettent vraiment d'exister et d'avoir des outils de vente en ligne performants. Et puis après, effectivement, il y a, et ça, je l'ai constaté, puisque mon site est en progression au niveau des ventes et des fréquentations, effectivement, on a toutes les animations, les référencements, les réseaux sociaux. Donc là, pareil, hein, je me suis entouré en l'occurrence de la société Marcel Communication, qui est basée à Mende. L'objectif étant à chaque fois de faire travailler des Lozériens au maximum. Et depuis, effectivement, que j'ai pu appuyer sur ce bouton des réseaux sociaux, entre autres, et des outils de référencement, on voit clairement une progression. J'ajouterai quand même, pour compléter la réponse, que j'ai complété aussi ce dispositif de référencement avec du média autre que Internet, qui est un très très bon relais, Mediapresse notamment, avec différents reportages qui ont pu être diffusés par des journalistes qui sont venus visiter mon atelier et qui ont été un véritable levier de fréquentation et donc de commandes sur le site internet. Donc je pense que c'est important aussi de faire le parallèle. Okay. Je reviendrai sur toi, Laurent, tout à l'heure, là, passer la parole à Samuel, sur le multicanal. Est-ce que c'est compatible aujourd'hui? Est-ce qu'on peut démarrer dans le e-commerce et puis rentrer sur un magasin ou le contraire, c'est pas les mêmes métiers? On voit que dans la grande distribution, il y a des grandes questions avec le drive pur, etc. Samuel Chaudançon, plusieurs vies et aujourd'hui une vie qui s'appelle Entropie. Tout à fait, voilà, qui exploite le site planétaire. Alors plusieurs vies, et oui, moi j'ai fait 25 ans d'automobile. On m'a demandé aussi de changer aussi de fonction. Ça tombait bien parce que je voulais faire autre chose depuis un petit moment. Je voulais faire autre chose. Je voulais rester en Lozère. Je suis pas lozérien à la base, mais ça fait 30 ans que je suis en Lozère. Ma famille est lozérienne. Donc j'ai cherché. J'ai adhéré à une association qui met en lien les repreneurs et les cédants d'entreprise. Et le CRA, pour ne pas le nommer. Et j'ai trouvé une boîte qui était à vendre dans l'Ariège. Alors à Bellesta, c'est vraiment perdu. Voilà. Des fois, on dit que la Lozère est perdue, mais là, c'est perdu. Il y a encore plus de virages sur l'Ariège. Et ça m'a plu parce que, alors, on était sur du e-commerce.
parce que je voulais une société où je pouvais toucher le maximum de clients. Donc c'est le gros avantage du e-commerce, hein, c'est qu'on peut vendre de n'importe où sur tout le territoire national et mondial. Et ce qui me plaisait beaucoup, c'est que je pouvais déménager immédiatement la société. Voilà. Donc j'ai acheté la société en mai et je l'ai déménagé en juin sur Banassac. Voilà. Donc on est sur un dépôt de 700 mètres carrés à Banassac. La marque, c'est Planétaire. Voilà, la marque, c'est Planétaire. Voilà, Planète R-A-I-R. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on fait de la distribution de matériel de chauffage. Plus exactement, de la pompe à chaleur RR. Voilà, bientôt RO, parce que c'est une grosse demande au niveau de la France. Il y a eu le Covid, on s'est adapté, on commence à vendre tout ce qui est traitement de l'air, des purificateurs, ozonateurs, etc. Et effectivement, il s'est avéré que déplacer, alors certes c'était déjà dans une zone rurale, mais déplacer cette société sur la Lozère, ça a été bénéfique pour plein de points. Bon, déjà, il y a l'axe autoroutier. J'ai la chance d'être à 200 mètres de l'entrée et de la sortie d'autoroute. Je dois avouer que j'ai fait des économies par rapport prévisionnel sur le transport, parce que ça coûtait moins cher. Des économies en argent et des économies en temps, parce que moi, j'ai un ramassage journalier de 3 transporteurs sur du gros colis et du petit colis. Donc ça, c'est vrai que c'était très pratique. Zone d'activité de Cap-Jala. Zone d'activité de Cap-Jala, tout à fait. Donc très rapidement, on a développé, enfin j'ai développé parce que j'ai démarré tout seul. Hein, j'ai démarré tout seul. J'ai vendu de la climatisation sur toute la France. Le Benelux est venu s'ajouter à ça. C'est une clientèle qui est particulière et professionnelle. Voilà. Donc aussi beaucoup de professionnels. Que dire de plus sur l'activité? Le développement. Le développement. Alors le développement, encore une fois, par les nouvelles demandes sur tout ce qui est traitement de l'air et tout, on développe pas mal. Une grosse demande au niveau des pompes à chaleur RO, donc là qui va remplacer le système complet de chauffage d'une maison avec la production d'eau chaude, etc. Et du coup, le développement d'ici peu, c'est j'ai déjà embauché un collaborateur il y a une paire d'années et j'embauche un autre collaborateur là pour traiter le SAV. Donc Planétaire, au début, t'es pas référencé, t'existes pas, t'es rien. Comment on fait pour être identifié, sur Google, tout ce qui peut faire qu'un client arrive chez toi. Ton boulot, ça a été quoi? Alors, au début, effectivement, moi, j'ai racheté un site qui était du fait maison. Hein, c'est le Cédan qui avait fait le site lui-même. Il y avait peu de référencement et tout. Déjà, première étape, j'ai fait refaire le site par BM Service. Et après, effectivement, il faut faire du référencement. Comment tu procèdes? Pour faire du référencement, j'ai une société qui s'occupe du référencement. Voilà. Voilà. Carrément, voilà. C'est très important. Il y a des produits à vendre. Il faut que les gens savent nous trouver sous Google. Comme on dit, hein, le meilleur endroit pour se cacher au monde, c'est la deuxième page de Google. Voilà. mais c'est vrai en plus. Hein, si on réfléchit aujourd'hui, voilà, on regarde les premiers résultats, on va plus sur la deuxième. Donc c'est un travail de longue haleine. Tout le monde aujourd'hui peut se mettre, si la personne a un magasin physique, qui veut faire du e-commerce et tout le monde peut s'y mettre ou démarrer directement en e-commerce. Par contre, ça, c'est à pas négliger, voilà, parce que sinon, c'est la base. C'est la base, ça n'avancera pas. Il y a ça, il y a la maintenance du site. Aujourd'hui, tu parles de Google, qui est l'acteur principal. Il fait d'ailleurs la pluie et le beau temps hein, sur le référencement, hein, faut pas se leurrer. Si tu n'as pas une bonne vitesse d'exécution quand tu cliques sur tes images et tout, tu es abandonné. Voilà, tu es abandonné. Google dit, lui, il est trop lent, j'en veux plus. Voilà. Donc, ça, il faut le surveiller en permanence. Voilà. Je vais revenir au comportement client. Voilà. Je vais venir vers toi. Laurent, on est un pur player du e-commerce. On est quelqu'un qui est né dans le commerce traditionnel et qui se lance dans le e-commerce. On n'est pas les mêmes. Est-ce que c'est
Est-ce qu'aujourd'hui c'est compatible? Qu'est-ce qu'on doit donner comme conseil à quelqu'un qui est aujourd'hui dans le commerce traditionnel et qui veut véritablement faire ce que vous êtes aujourd'hui, soit se transformer complètement ou avoir une activité accessoire à. On a tendance à dire que ce n'est pas très très facile à gérer. J'allais dire, mais tu viens de le dire, il y a plusieurs stratégies en e-commerce. On peut avoir une stratégie d'activité complémentaire d'un point de vente physique. Ça permet de massifier un peu des ventes, de faire tourner un peu plus vite le stock, d'avoir éventuellement deux modèles économiques, un prix magasin et un prix en ligne ou sur des places de marché. Et on peut décider de lancer un site, devenir un pure player avec des objectifs de chiffre d'affaires pour arriver à faire vivre une équipe, toute une entreprise, juste sur l'activité en ligne. Je pense qu'aujourd'hui encore, il y a des places à prendre. C'est des marchés en pleine évolution. Moi, je vois juste dans l'alimentaire, on voit des segments entiers bouger. Là, en plus, entre on va dire, les perturbations du marché venues des coûts de l'énergie qui se répercutent sur les coûts du transport. Dans l'alimentaire, il y a aussi tous les coûts liés aux emballages, aux verreries, la main-d'œuvre aussi avec l'inflation. Il y a des choses qui se recomposent et. Il y a encore des levées de fonds fantastiques sur des nouveaux modèles. Il y a des attentes qui changent des consommateurs aujourd'hui qui veulent des produits plus traçables, plus simples, plus bio. Donc il y a des nouveaux segments en plein développement. Donc il y a toujours la place. Il faut arriver à se différencier, à innover. Et après, pour rentrer aujourd'hui sur le marché, il n'est pas trop tard. Je pense que, comme Samuel disait à l'instant, le marché e-commerce, on se dit aujourd'hui, ça y est, le e-commerce est fini. Le e-commerce a 20 ans. C'est tout petit, 20 ans. C'est à peine l'âge de raison. Ce qui est sûr, c'est que je suis sûr que dans 10 ans ou 20 ans, le marché e-commerce, il sera encore plus grand, mais il sera différent. Donc, il y a des gens qui tirent leur épingle du jour aujourd'hui, qui vont changer. Il faut arriver à suivre les évolutions. Alors, c'est compliqué des fois parce que ça demande d'être agile, de se poser des questions, de réinvestir. C'est pas, on n'a pas un emplacement premium dans une rue, dans un centre-ville commerçant avec. Où il y a une forte sorte de rente de situation, la notion de rente de situation, elle existe moins sur Internet. Il faut l'entretenir en permanence par des nouveaux contenus, des nouvelles offres, suivre les attentes des clients. Mais il y a toujours des places à prendre, que ce soit en activité de complément ou pour lancer une activité purement e-commerce. Oui, alors Laurent, qui nous regardait, a une particularité, c'est que vu l'expérience qu'il a avec ses 23 années, il a aussi quoi dire, l'ingénierie pour aider à la création quoi dire, de sites, à conseiller quoi dire, ceux qui quoi dire, se lancent dans le e-commerce, et ça s'appelle le BMS. Oui, ça s'appelle BM Service. En fait, au début, très tôt, nous, on a eu un problème, c'est qu'on voulait avoir un peu de profondeur de banc au niveau technique. Plusieurs développeurs, des web designers, des spécialistes de référencement, des spécialistes e-market. Et au début, il y avait un problème très simple, c'est que pour avoir une équipe de 6-7 personnes sur un marché en 2000 où il y avait très peu de ventes e-commerce, c'était impossible. Comment les payer si j'ai pas de revenus? Et donc assez vite, on s'est dit, bon, moi, niveau bien manger par rapport à nos besoins, on peut peut-être financer 2-3 postes. Et on s'est dit, ben, on va essayer de créer un quatrième, un cinquième poste en proposant ces compétences à des gens autour de nous qui veulent faire des sites. Et tout premier, ça a été en Lozère, c'était le chef Guy Prouez, je crois, un des tout premiers qui nous a dit, ben, ok, moi j'ai un resto étoilé à Aumont, je veux un site. Faites-moi un site, je veux un site made in Lozère, comme tu as dit. Faites-moi un site, et c'était courageux de sa part parce qu'on n'avait pas encore fait de site. Enfin, on avait fait le nôtre, Les mais clients. donc bon, pour un chef étoilé, c'est une prise de risque, mais bon. Et puis après, on a travaillé pour la CCI, un des tout premiers sites de la CCI, je crois, à Oui, l'époque, ça fait. pour différents acteurs, et comme ça nous a permis de mutualiser, d'avoir une équipe technique qui travaillait à la fois pour nous et pour d'autres, et c'est doublement intéressant parce que cette expérience acquise. L'expérience au service des autres. Et l'expérience, elle s'acquiert sur tous les projets, parce qu'il y a chaque projet a ses spécificités, ses contraintes, et donc au fur et à mesure, l'équipe, elle devient plus aguerrie et ça profite à tout le monde. Okay. Nicolas, on n'a pas parlé de Facebook, de réseaux sociaux, on a parlé de Google. C'est quoi le lien que l'on doit faire rapidement quand on crée son activité pour le référencement Alors, Comment tu as fait, toi? concernant le référencement, moi déjà, je me suis heurté à une problématique que j'ai découverte et que j'imaginais pas, c'est que quand on vend des couteaux, en fait, D'abord, on n'est pas seul. On vend une arme. Et donc, Oui. du coup, C'est une enfin, arme. c'est assez, moi, c'est des couteaux de cuisine, hein, enfin, de randonnée, mais et en fait, on peut pas acheter
des mots-clés sponsorisés, etc. sur Google pour accélérer. Donc on est mécaniquement obligé de faire un référencement naturel. Alors d'une certaine façon, ça réduit un petit peu les budgets, parce que du coup, comme on ne peut pas les acheter, bah voilà. D'une autre façon, ça va rallonger le temps aussi pour remonter sur la première page. Et c'est là où effectivement, pour revenir à la question que tu as posée tout à l'heure, Laurent, je pense que et l'exemple de BM Service est là aussi, c'est, je pense qu'il faut être bien accompagné. C'est-à-dire que moi, clairement, ces sujets-là sont très nouveaux pour moi. Et même si je comprends la mécanique et je me pose évidemment des bonnes stratégies, des bonnes questions sur la stratégie, etc., dans le faire, je veux faire faire. Et Samuel, on n'est pas préparé, je pense, là, sur ce sujet. Tout à fait. donc, du coup, ben voilà, moi, je me suis entouré de gens spécialisés. Et puis, on a essayé, alors, qui m'ont proposé des plans d'action. Et puis, on a essayé, effectivement, les différents plans d'action. Et en fonction des résultats, certains ont été abandonnés et d'autres ont été amplifiés, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que sur les sujets de référencement, en fonction du produit qu'on m'a proposé, ça va être un sujet. Et en plus, bah, si on parle de marché plus ou moins concurrentiel, c'est forcément plus difficile d'aller sur la première page de Google si on est sur un marché très concurrentiel. Voilà. Alors, on va changer de sujet, on va passer au client. Et peut-être je vais vous faire rire, mais je ne suis pas le même client, moi, Thierry Julliet, selon que je suis chez mon commerçant traditionnel. Je suis par nature extrêmement bienveillant, notamment s'il n'a pas le produit, notamment s'il faut que j'attende un petit peu, et surtout s'il est un petit peu plus cher, on va dire, quoi. Mais le Thierry Julliet qui est devant un écran et qui doit choisir sur un site de e-commerce, il est extrêmement compulsif, il est nerveux, il n'a pas le temps, alors que j'ai tout mon temps pour acheter normalement. Il ne supporte pas plus de quelques clics au risque de faire la touche retour et puis changer de choses. Et j'imagine qu'il y a eu des livres et des études sur la psychologie du client et son côté, je ne sais pas comment on peut dire, gauche ou droite, cerveau. Mais c'est surprenant de voir que notre comportement devant un clavier exige de vous trois une rigueur absolue. Et il n'y a pas de cadeau là. Enfin, vous avez des témoignages, j'imagine, difficiles pour vous certaines fois. Vous confirmez en tout cas, Samuel ? Dans Oudico, vas-y, je sais que tu veux. Bah, juste pour donner, tu parlais d'exemple, ouais. J'en ai. Alors bon, bah, on apprend. De manière générale, moi j'ai des clients qui sont plutôt bienveillants parce que les gens perçoivent l'aventure que je vis avec le couteau de Lozère comme une belle aventure et il y a un côté un peu attachant. Et généralement, les gens sont plutôt vraiment bienveillants, à la fois sur les délais, quand j'ai du retard, je préviens, etc. Mais voilà. Après, j'ai eu quelques cas dans les périodes, on en parlait tout à l'heure, les périodes un peu intenses avant Noël, où là, par contre, les gens attendent le réflexe Amazon, quoi. C'est-à-dire que j'ai commandé hier, j'ai toujours pas reçu, qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Mais on a une exigence avec ce client qu'on a qu'à travers un écran. Tout à fait. Alors du coup, c'est vrai qu'il faut expliquer. Non, puis... rassure-moi que je suis non, mais ça reste anecdotique, heureusement. Et puis quand on explique, les gens comprennent. Parce qu'en fait, les gens... Enfin, moi, je suis tout seul. J'ai fait 2300 couteaux en 2022. Ça m'occupe. Parce qu'il faut faire la com, le commerce, la gestion, etc. Oui, mais l'image que tu donnes à travers un site, c'est que tu es une entreprise type... C'est ça. Et quand on explique ça, du coup, les gens, quand on explique finalement, on est tout seul dans l'atelier, qu'on se lève à 5h, on finit à 23h, et que j'ai fait une erreur sur la livraison ou j'ai pris un petit peu de retard, les gens comprennent. Mais ils disent, ah bon, mais vous avez personne. Parce que tu mets un petit peu d'humain quand c'est nécessaire. Ben, c'est après, ça. La plupart des sites ne le mettent pas. Ouais. Samuel, ton témoignage. Oui, et puis, Nicolas, il oublie de dire quelque chose. Alors, on n'en a pas parlé avant, mais je pense que si tu parles au client, c'est que le client peut te parler. C'est-à-dire que tu as ton numéro de téléphone. Oui. Ah oui. Et ça, c'est hyper important. Parce que j'ai un panier moyen, moi, qui a plus de 900 euros, sachant que je suis le plus gros revendeur d'interface Wi-Fi Daikin sur le plan national. On les vend en 70 euros, donc tu comprends qu'il faut que je vende beaucoup plus pour faire un panier moyen à ce prix-là. Donc le client, il est stressé, hein, il met le truc de sa carte bleue. Alors c'est pareil, ça c'est le parcours client, la carte bleue, on travaille dessus pour justement, on va changer nous pour pas que l'interface carte bleue sorte de notre site. On va travailler avec un prestataire pour que quand on met sa carte bleue, il y ait toujours marqué planétaire et tout, et qu'il n'ait pas l'impression qu'on lui arnaque ses numéros et tout. Et ce qui est compréhensible, hein, j'ai le même doute à chaque fois. Donc effectivement, le client, il stresse. Moi, j'ai démarré, c'est pareil, je faisais 15 heures par jour. J'ai fait 2 millions de chiffres d'affaires tout seul. Et j'avais le téléphone en permanence. Alors, c'est
Écouteurs obligatoires, hein, parce que j'étais obligé de travailler en même temps, hein, sinon je ne pouvais pas, parce que je passais des heures et des heures, mes écouteurs se déchargeaient, j'étais obligé d'en prendre d'autres et tout. Mais par contre, c'était le gros plus, c'est-à-dire que le client, il appelait, et le nombre de fois, il dit « Ah ben vous répondez, c'est bon, je commande ». Voilà, parce qu'il faut le rassurer. On a un petit peu de clients lausériens, un peu plus aveyronnais, carrément, ils viennent sécuriser. C'est pas prévu, hein, mais ils viennent au dépôt, ils prennent le matériel, quoi. Voilà, c'est très marrant. Ils payent avec la carte bleue devant nous et tout, et ils font comme ça, voilà. Mais c'est effectivement, il faut rassurer le client. Internet, même si voilà, tout le monde, on en parlait, tout le monde a son téléphone, tout le monde achète quelque chose avec son téléphone en un clic et tout, mais il faut sans cesse rassurer le client. Et quand il y a un interlocuteur qui décroche quand le client appelle, c'est une force incroyable. Ouais. Pour aller dans ton sens, et merci de l'avoir souligné, c'était l'autre exemple que je voulais prendre. C'est pas lié qu'aux générations, mais un peu quand même. Et on met de l'humain, effectivement, et on a aussi des gens qui souhaitent choisir leur couteau ou voir un peu l'atelier. Alors, on fait un petit WhatsApp. Alors, c'est pour ça que j'en viens aussi à l'intérêt d'avoir des réseaux fibrés. Parce que bon, bah, quand on est à l'Hermé, voilà, à côté de Châteauneuf, des fois, c'est pas toujours. Avant, c'était pas évident. Et du coup, tu mets l'humain, et effectivement, les gens, ils sont ravis aussi de pouvoir voir un peu les mains travailler et avoir ce côté un peu personnalisation. Alors que c'est le même couteau que j'ai fait pour d'autres personnes, mais voilà. Laurent, tu confirmes que le client, c'est pas le même selon l'interface ou pas du web. Tu l'as dit, on est sur Internet, on est à un clic de sortir de la boutique. Quand j'ai fait l'effort de me déplacer dans une boutique et que je suis rentré, je suis à quelques pas de la sortie. Sur son écran, on est à un clic. Donc s'il y a quelque chose qui se passe mal, si c'est trop lent, si on ne trouve pas les infos, si c'est mal présenté, encore une fois, il n'y a rien à dire, et, un clic pour sortir. Donc après, il faut essayer de créer des conditions pour mettre les gens en confiance, que ce soit les possibilités de contacter, de montrer qu'on existe. La notion de façon de confiance, elle est, on va dire, elle se retrouve dans toutes les formes de commerce. Hein. Il y a un siècle, on parlait, voilà, les premières pubs, c'est maison de confiance. Et la note client. Oui, la note client, de montrer qu'on est là, il peut y avoir un problème, il peut y avoir un retard, il peut y avoir un produit qui arrive cassé, mais on va répondre, on va traiter, et c'est pas, je sais pas quoi, un Chinois qui va répondre ou une plateforme, je sais pas où. Souvent d'ailleurs, ça amuse nos clients parce qu'ils disent « Ah mais vos conseillers clients, ils ont l'accent lausérien. » Ben oui, ils ont l'accent lausérien parce que je trouve qu'ils habitent là et le soir, ils rentrent et, à la Canourgue ou à Sévérac, certains. Bon. Donc, créer cette relation de confiance avec ses clients. Alors après, il y en a qui arrivent, ils cherchent un produit donné, ils ne savent même pas qu'on est en Lozère, ils commandent leur produit. Mais comme a dit Samuel aussi, il y a une norme aujourd'hui, c'est que sur Internet, il faut que ça soit rapide. On a tous des histoires, voilà, la commande elle est passée à 9h le soir et à 7h du matin, je ne comprends pas, je n'ai pas encore le numéro de suivi client. Ben oui, mais entre 9h le soir et 7h du matin, on n'a pas travaillé. Mais d'ici 3-4 heures, vous aurez un numéro de suivi, enfin, numéro de suivi colis et le colis sera expédié. L'immédiateté est terrible. Voilà. Aujourd'hui, l'exigence, elle est... Surtout que c'était 9h du soir le dimanche. Oui. Ouais. KWZ, il veut parler, ça lui plaît ce sujet. Eric. Ben, bonjour à tout le monde. Oui, non, mais juste un petit mot parce que c'est vrai que vous êtes au top et c'est génial. Et c'est vrai que depuis la Lozère, on peut faire des choses magnifiques. Mais vous avez raison parce que ce que vous dites, il faut absolument que les réseaux, et nous, on a la chance sur KWZ, on est sur la page numéro 1 de Google. Mais on a un clic de sortir, un clic de rentrer, mais il y a la confiance aussi quand on est sur un réseau, sur un site. Oui, exact, oui. Alors, il introduit le sujet, Eric, sur le territoire, la compatibilité entre ce que vous êtes et puis des territoires. Alors, tu l'as dit, vous avez été plusieurs à le dire, d'ailleurs, Auxillac, ton histoire aussi qui démarre quoi dire, à Saint-Romain, toi, c'était dans l'Ardèche, c'est ça ? Non, dans l'Ariège. Dans l'Ariège. Prends le micro. Pardon. Dans l'Ariège. Dans l'Ariège. Ouais, donc, ça veut bien dire que... Il n'y a pas que les grandes agglomérations pour avoir les clés de la réussite. Bon, on sait qu'aujourd'hui, la fibre arrive ou est arrivée dans le département. C'était la condition, quoi dire, pour arriver à une trentaine d'entrepreneurs qui sont dans le e-commerce aujourd'hui en Lozère. Ou est-ce que c'est le plus ? Question. Alors, nous, on a démarré sans la fibre. Il y a 20 ans, on a démarré que c'était des lignes Numéris. Après il y a eu ADSL et après il y a eu la fibre qui passe d'ailleurs le long de l'autoroute, là le long de la 75 à côté, et donc la zone d'activité ici est raccordée.
c'est pas forcément, on va dire, un prérequis, mais c'est aujourd'hui avoir du haut débit pour ces métiers-là, c'est quand même très important. On parle de plus en plus de produire des contenus. Cette vidéo est produite et podcastée en direct sur les réseaux, donc il faut des bandes passantes qui permettent cette diffusion. Et aujourd'hui, même sur le e-commerce, on voit arriver la généralisation de contenus vidéo, de petites démos. On va dire une démo sur une confiture, tout le monde comprend ce qu'il y a dans le pot de confiture, mais non, si on arrive à ouvrir le pot de confiture, à montrer, à faire une tartine, on le voit de plus en c'est plus. Beaucoup plus gourmand que si la je dis voilà juste le pot de confiture. De la vidéo. Et c'est encore plus vrai si le produit est un peu technique, si je veux, je sais pas quoi, j'imagine mettre en avant le mécanisme d'un couteau ou d'un ou le, des petits gestes de montage ou de réparation d'un climatiseur. Donc, et si on veut pouvoir usiner. Produire tous les jours des dizaines de vidéos, les uploader, si on n'a pas des hauts débits, ben, c'est compliqué. Oui, puis toi, tu as une multitude de produits, je ne sais pas combien au total. Toi, tu en as, Nico, tu en as un, et Samuel, tu en as deux ou trois. Donc, on n'est pas du tout dans les mêmes besoins, peut-être. Deux ou 300. Hein ? Deux ou 300 produits. Ah oui, oui. Ah, mais pardon. Oui. Ça, j'avais pas voilà, compris. Tu n'étais pas loin. Hein. Mais peut-être que les besoins de débit ne sont pas les mêmes chez toi, quoi. Bah, c'est peut-être. Je dirais que c'est. D'abord, ce n'est pas un prérequis. Non, mais, je partage quand même. Mais la fibre est quand même, quoi dire, un confort. Alors, oui, et je voudrais. Ça m'amène à rebondir un peu aussi sur ce que tu disais tout à l'heure, sur les stratégies. C'est-à-dire que. Moi, l'autre jour, j'ai fait une présentation à 10 commerciaux d'une entreprise qui faisait gagner mes couteaux sur un challenge par rapport à leur activité. Et j'ai fait ça en visio et ça m'a permis du coup de closer une affaire de vente B2B. Donc dans le e-commerce, j'ai envie de dire, moi je dirais que c'est pas non plus que le site internet, c'est-à-dire c'est aussi un levier, un tuyau, un moyen. Et voilà, clairement, j'ai pas la fibre, je fais pas cette visio quoi. Voilà, c'est aussi ça. Après, je ferai le parallèle aussi avec le projet de vie, le projet personnel, oui. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, ma compagne, on a une organisation personnelle qui fait chez un peu à Clermont et un peu en Lozère. Le télétravail aujourd'hui tout à fait possible quand on est en Lozère. Et ça permet quelque part aussi d'avoir une action de revitalisation un petit peu du bassin, du territoire. C'est-à-dire qu'il faut voir tout ce qui va à côté, je pense. Nous, on s'en rend très peu compte, mais dans une chambre de commerce, quand on évolue un petit peu partout en France, et j'ai la chance d'animer les territoires ruraux parmi les chambres de commerce, je peux vous garantir que on a une chance, c'est d'avoir une généralisation de l'outil fibre, quoi. Parce que c'est pas le cas partout en France. Moi, je me promène jusqu'à Meuse. Tu parlais de l'Ariège, c'est une chance quand même, quoi. Donc, et on s'en rend pas compte parce que quand on l'a, elle devient une habitude au final. Mais je pense quand même qu'il faut dire que c'était quand même un sacré changement de vie. Je crois que ça a commencé en 2016 ou 2017. Mais oui. Pour faire briller un petit peu la Lozère, j'ajouterais que sur Clermont, là où je suis, il n'y a pas la fibre. Voilà. J'ajouterais que les outils de gestion, en tout cas que moi j'utilise aujourd'hui, sont tous connectés. C'est-à-dire que quand je veux accéder pour faire des factures et tout ça, si j'ai à un moment donné les gamins qui sont en train de regarder une vidéo ou un truc et que moi je suis en train de faire ma compta... C'est pas la même musique quand je suis en Lozère. C'est tout bête. Mais... On se plaint souvent, mais quand il y a des choses qui sont sympas, il faut le dire. Oui. Parce que moi, je tiens à toujours positiver l'attractivité du département, parce que c'est la condition pour accueillir de nouvelles entreprises. Et on ne parle pas qu'entre nous, on parle aussi, quand on communique comme on le fait aujourd'hui, il y a des gens qui sont... qui sont ailleurs, et c'est important qu'on donne une image positive de notre département pour demain avoir aux portes de la CCI de nouveaux acteurs. Et tu le dis, on n'est qu'à l'âge de raison qui arrive, donc le marché est encore devant nous. Je disais tout à l'heure que les pays anglo-saxons sont bien devant nous, et quand le 23 ou 24 février, Mathieu, nous étions à commenter les chiffres d'activité du département, on peut observer que le e-commerce représente aujourd'hui 11,5-12%. Dans les pays anglo-saxons, on est à 20%. Tout laisse à penser qu'on va vers le trend 20%. Peut-être qu'à 20, ça sera stabilisé, mais on a quand même aujourd'hui, pour ceux qui voudraient s'installer, je vous regarde, un vrai potentiel. Il faut trouver le bon créneau et puis avoir les bons outils du développement. Peut-être ce qu'il faut dire aussi, c'est que sur le e-commerce, souvent il y a une dimension logistique, à part si on vend des services, et donc la livraison est dématérialisée, mais si on vend des produits, rapidement il faut des entrepôts,
Et les entrepôts, ils sont plus efficaces et moins chers à la campagne. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que même des géants comme Amazon installent leurs entrepôts à la campagne. Parce que, alors, on est à la Tuile, on est comme Samuel à Banassac, sur une zone d'activité à 100 mètres de la sortie d'autoroute. Donc pour les livraisons, c'est facile. Pour les départs, c'est facile. C'est moins cher aussi sur les grilles des transporteurs. Et le dernier point sur la logistique, on arrive à recruter encore en Lozère des personnes qui sont fiables. Et sur des salaires qui ne sont pas les plus hauts salaires, c'est quand même plus agréable de vivre à la campagne qu'en centre-ville de Montpellier, de Toulouse ou de Paris, où les coûts de la vie sont plus chers. Donc pour toutes ces raisons, je pense que vraiment le e-commerce ou les nouvelles technos sont quand même une chance de développement pour des territoires comme la Lozère, comme l'Ariège ou la Meuse. Et on peut penser que dans le futur, on va encore développer l'emploi dans ces filières-là localement. Quoi. Avant de passer je voulais parler de la logistique. Effectivement, c'est important de souligner. On a la chance d'avoir une enseigne comme Géodis à Marvejols. On a deux enseignes sur l'Aveyron qui viennent tous les jours sur la Lozère. Et donc on a la chance de les avoir et en plus on a une facilité de travailler avec eux. Moi j'expédie dans toute la France et l'Europe. Il y a des endroits, c'est très très compliqué. Qu'ici, ils ont une intelligence de travail. Quand il y a un souci et tout, c'est vite réglé parce qu'on se connaît. Tous les chauffeurs nous connaissent et tout. Il y a une confiance qui est faite et tout. Et c'est un régal. Quoi. C'est vrai que nous sommes, je peux parler pour ceux qui nous regardent, nous sommes tous très surpris de la rapidité de livraison du e-commerce. Quoi. C'est phénoménal de voir que la logistique est organisée à maillage comme elle l'est. Tu parlais des liens qu'il peut y avoir avec des logisticiens régionaux. C'est la nouveauté. Et ça me fait une transition sur une question. Je vois le temps passer, donc on va peut-être terminer sur celle-ci ou conclure. Le Covid. Passé par là, on doit lui dire merci au Covid là pour le e-commerce. Il a changé quoi pour vos dans vos vies de e-commerçant, Laurent? Alors, le Covid pour le e-commerce, oui, c'est un facteur qui a accéléré les transformations de comportement puisqu'il y a beaucoup de personnes qui sont retrouvées bloquées chez elles. Et la seule façon de commander, même à manger, c'était en ligne puisqu'on pouvait les marchés étaient fermés. Et même pour aller au supermarché, c'était limité, les autorisations de sortie, la peur de rencontrer d'autres personnes et compagnie. Donc il y a eu un très fort afflux de clients sur le e-commerce. Pour autant, ça n'a pas été facile parce que dans le même jour, dans le même temps, dans les deux, trois premières semaines de mars, la Poste nous a dit on viendra vous chercher que la moitié des colis d'habitude parce qu'on est réquisitionné et après on passera que tous les deux jours. Donc, avec plus de gens qui veulent commander, si on peut envoyer moins de colis, c'est un peu compliqué. Sachant qu'en plus, on ne pouvait pas recruter et que les personnes qui venaient, on essayait de faire en sorte qu'ils ne s'approchent pas à plus de 2 mètres l'un de l'autre. Donc pour échanger des informations ou des produits ou se transmettre des choses, ça mettait quand même beaucoup de contraintes. Mais ça a été un facteur d'accélération. Moi, j'ai jamais... Enfin, très tôt, il y a eu des gens qui ont dit ce facteur d'accélération, ça va être un clapet, on ne reviendra pas en arrière. On parle du click and collect là, qui était la nouveauté et finalement on oui. a fait plouf. Quoi, un peu. Disons que, oui. Alors on n'a pas fait plouf, on est revenu un peu en arrière, on est revenu à intermédiaire, beaucoup plus haut que 2019, mais plus bas que 2020-2021. Mais je trouve qu'il y a une forme de logique, il y a un équilibre. Le commerce traditionnel c'est 90% du commerce en France, le e-commerce c'est 10%. C'est sûr que si tout à coup on ferme la porte de 90% des commerces et des marchés, les gens se tournent vers la porte qui reste ouverte. Mais le jour où on réouvre, les équilibres se refont. Alors il y a peut-être des personnes qui avant n'avaient jamais osé faire un achat en ligne, qui ont vu que c'était possible, que c'était pratique et qui vont se mettre de temps en temps à en faire un en complément de leur achat dans les commerces classiques. Et donc il y a quand même un effet d'accélération qui a été donné. Après, ça a généré des fausses espérances et des fausses promesses, et des gens qui en ont souffert aussi, des entreprises qui se sont créées en pariant que ça allait encore accélérer et qui ont dû déchanter et faire mettre la clé sous la porte parce que ce n'était pas le cas. Mais globalement, ça a quand même été un effet d'accélération.
Alors, le Covid chez toi. Alors, moi, je suis arrivé après. Ce que je peux dire, c'est que on peut faire aussi peut-être un petit parallèle quand même. Hein, j'ai découvert le secteur de la coutellerie, mais vraiment que je ne connaissais pas côté production industrielle, etc. Et il y a eu, l'année qui a suivi, ça a été rupture de stock partout, tout a explosé. Ils n'ont jamais vendu autant de couteaux historiquement depuis des années et des années. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, retour aux sources, etc. En tout cas, oui, effectivement, moi, ça a été malgré tout un effet de levier intéressant pour moi. Et pour parler un petit peu de l'avenir, ça a amené aussi les gens à repenser un peu leur site de vacances ou leur site de séminaire professionnel et autres. Et dans mes projets, sur le lieu où j'ai mon atelier en Lozère, je suis en train d'aménager une pièce à côté qui va me permettre effectivement de faire des séminaires professionnels avec des stages de couteau et des petits stages de décélération pour des comités d'entreprise. Et là, on y revient, le fait d'avoir une connexion Internet de haut débit, hein, fibré, sera un levier vraiment intéressant pour ce complément en termes d'activité et suite de stratégie. Alors Samuel, toi, c'est plus l'événement climat que le Covid qui te fait le développement, peut-être ? Alors, non, mais le Covid, nous, ça a explosé pour deux raisons, parce qu'effectivement, les gens devaient rester chez eux, donc ils se sont dit, tiens, on va bricoler. Et la deuxième raison, c'est qu'en mars 2020, il a fait très bon. Très bon, très chaud, très rapidement. Donc, moi, je remplissais les camions. Moi, il y en avait un. Il y avait une société qui était ouverte. C'était la mienne et on remplissait les camions. Donc, ça a été très bénéfique. C'était l'occasion, en plus mars 2020, où on a une grosse enseigne de bricolage qui nous a contactés. Alors, je dis ça, c'est pour mettre en valeur le fait que, je suis en Lozère et tout. J'ai un site internet, il y a un boss de cette grande enseigne qui a vu le site, les produits qu'on proposait, les tarifs. Et depuis, on leur fournit les 147 magasins. Ouais, ça a été bénéfique. Bien manger, le Lozère, planétaire. Une minute de conclusion pour toi, Laurent. En t'adressant à ceux qui nous regardent, peut-être en leur donnant des conseils, parce qu'on a besoin de e-commerçants nouveaux demain chez nous. Oui, alors moi des fois je dis, il y a 20 ans, si aujourd'hui je me croisais moi il y a 23 ans, je me dirais, t'es pas prêt pour te lancer. Parce qu'il y a plein de choses auxquelles j'avais pas pensé, et c'est vrai, j'avais pas pensé. Mais ça montre qu'on n'est jamais prêt en fait. Et c'est plutôt un message optimiste, c'est-à-dire si on a une idée, je pense que sur Internet, aujourd'hui en e-commerce, il y a beaucoup d'opportunités, on peut se lancer. On n'est pas obligé d'avoir résolu toutes les questions avant de se lancer, sinon il n'y aurait plus rien à faire après. Donc, et encore aujourd'hui, je n'ai pas résolu tous mes problèmes. J'ai encore ce soir, demain, un certain nombre de problèmes à résoudre. Mais on peut être optimiste, on peut se lancer en e-commerce. Et il y a des raisons intrinsèques qui militent pour se lancer à la campagne dans des territoires comme la Lozère. On a beaucoup d'atouts pour accueillir ces entreprises-là. De débit, de mètres carrés, d'accompagnement par différentes structures. Et donc si vous hésitez... N'hésitez pas trop et venez nous rejoindre. Et on a un écosystème entrepreneurial, à la fois de professionnels et d'accompagnement, qui font que on n'est pas seul. Et j'ai bien aimé ce que tu as dit là au début sur le droit à l'échec, sur la prise de risque, etc. Elle est accompagnée aujourd'hui, elle fait partie de notre échelle de prise de risque quand on démarre. Mot de conclusion, Nicolas. Pas pour moi, pour eux. Petit message encourageant peut-être quand même pour dire que je ne suis pas forcément le meilleur exemple, mais un exemple. Il y a 2 ans dans la coutellerie, je savais pas, j'avais jamais monté un couteau, j'avais jamais fait de vente en ligne. Et aujourd'hui, effectivement, c'est une activité qui existe, qui se développe. Donc je pense qu'il faut avoir faut pas avoir peur de se tromper. C'est ça, c'est ce que tu disais et je le rejoins. Il faut avoir envie, il faut avoir des idées plein la tête et puis il ne faut pas se censurer par rapport à ces idées. Il y a des jours où on apprend, enfin où on réussit, il y a des jours où on apprend, c'est quand on tombe, mais au moins on a appris. Voilà, et je voudrais juste aussi dire qu'effectivement sur l'aspect territoire en Lozère, il y a aussi toute cette mécanique d'accompagnement, de soutien, etc. Mais il y a aussi une logique de pensée, de projet de vie, de projet de famille. Nouvelle vie. Et je pense que le e-commerce, peut-être aussi, ça peut, dans l'idée, ça peut aussi tirer des activités qui peuvent permettre aussi à des conjoints de venir s'installer avec famille. Et ça, c'est important aussi de le souligner. On l'a observé d'ailleurs lorsqu'on a fait les commentaires. Ça donne de la souplesse. De l'année précédente. Ceux qui démarrent dans l'économie, dans
on va dire l'entrepreneuriat ont aujourd'hui pour, je crois, plus d'un tiers, plus de 47 ans, ont déjà fait un parcours de vie et ne sont pas des autochtones du territoire. Donc oui, ça veut dire qu'on a nos chances, quoi. Il n'y a pas de souci. Merci Nicolas, bon courage. Merci. Samuel, dernier mot. Dernier mot, ben, si on a envie, oui, il faut se lancer dans le e-commerce. La Lozère est un magnifique territoire pour le faire. Il y a vraiment quasiment que des avantages. Après, on l'a dit, le e-commerce, ben, il y a des règles à respecter. Il faut les respecter. On va les découvrir au fur et à mesure, mais il ne faut pas avoir peur. Et on peut, même en Lozère, être se concurrencer sur des grosses entreprises. Ouais. Mais c'est beaucoup de travail. Il y en a, ouais, un petit peu. Bon, j'espère que vous n'avez pas trop stressé. Ça vous a plu? Tu nous as mis à l'aise. Merci. Écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. On respecte le timing. Je réfléchis la fois prochaine à un 48 échos sur la malveillance informatique, sur la cybersécurité et sur tout ce qu'on appelle le hackage, etc. On est en train de voir comment on peut travailler sur ces sujets-là, comment vous pouvez vous-même vous protéger avec des comportements de valeur, parce qu'on n'est pas toujours très très bon. Donc ça sera un petit peu un lien avec ce sujet d'aujourd'hui. On sera aussi là dans des histoires de clavier. Voilà, merci, bonne soirée, à bientôt.